Rendu au checkpoint du Nouveau-Brunswick. Quand que je suis arrivée à la frontière, il n'y avait personne, fait que j'étais genre « Ah, c'est bizarre, ils ne checkent pas », mais genre, deux minutes après, il y a un barrage, je vais vous montrer. Update! J'ai passé en deux minutes, ça n'a même pas pris de temps, ils ont regardé mon numéro d'entrée au Nouveau-Brunswick, ils m'ont laissé passer, ils m'ont même donné une bouteille d'eau pour Tyson, fait que vraiment, vraiment gentil. Donc, on est présentement sur le pont de la Confédération. On se rappelle qu'à l'île du Prince-Édouard, c'est super, super sévère pour la COVID. Je sais vraiment pas ça va être quoi les mesures en place. Je sais que quand j'ai appelé à la santé publique, parce que je voulais faire sûr de pouvoir passer vu que j'ai un véhicule du BC, donc j'ai appelé la santé publique pour leur demander c'était quoi leur formalité à l'île du Prince-Édouard. Puis ils m'ont dit que j'avais pas le droit de sortir de mon véhicule vraiment, sauf pour aller mettre du gaz. Ils vont me donner apparemment une feuille avec le nom des restaurants rendus au terminal de bateau. En fait, à Souris, je vais devoir appeler les restaurants et commander. Et ils vont venir me livrer à ma voiture. Mais ma mère est tellement un amour qu'elle m'a fait un petit lunch, mais que j'ai pas besoin de commander. Imaginez-vous donc. C'est une liste de choses que je peux acheter, admettons, services alimentaires, essence, qui peut venir me porter ça ici, même des artisans. Donc voilà, j'ai des poils de toit partout. On se revoit aussi. Bon matin, je sors du bateau. Je suis crevée, on va se le dire. J'ai dormi sur un banc avec Tyson, il faisait vraiment froid, puis il y a quelqu'un qui est venu me passer une couverte trop smart. Là, je m'en vais récupérer mon sommeil, puis je m'en vais chez ma grand-maman parce qu'elle m'a mis du pâté des îles au four. Puis j'en ai vraiment pas trouvé, fait que j'ai décidé d'aller faire du paddleboard au parc du Gros Cap. Déjà, parce que en fait, je suis allée surfer deux jours, fait que ben tout ce que je faisais c'était surfer. Donc, puis après ça, ben j'allais prendre une douche, lire un livre, puis c'est ça. Je veux vous montrer quelques paysages et l'abri de la tempête parce que c'est une microbrasserie que j'affectionne beaucoup. C'est de la bière des îles. Puis c'est vraiment
de la bonne bière. Donc, je vais vous amener là aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en va hiker l'île d'Entrée. Des choses maison. Donc, moi, c'est vraiment le caramel. J'en ai pris 6 pots. J'ai vraiment pas niaisé. Poivre des dunes. C'est ce caramel-là. C'est le meilleur caramel que j'ai mangé de toute ma vie. C'est dans les petites bâtisses ici, sur le chemin du quai. Donc, je vous recommande vraiment, si vous venez aux îles, de goûter à ce caramel-là parce que, sérieusement, puis je niaise pas, là. J'ai fini un pot en 24 heures, puis je niaise pas. Hello! Fait que là, je suis présentement au bateau. Il est 6h43. Il devrait arriver dans 15 minutes. Et bon, je le vois pas, mais je l'ai vu de chez ma tante. Fait qu'il devrait arriver super bientôt. Moi puis Tyson, on attend ici. Et on va prendre le bateau. Donc, je voulais terminer mon vlog sur les îles de maintenant, parce que j'en commence un autre demain sur la Gaspésie. Donc, voilà. Et j'espère que vous avez apprécié ça. C'est sûr qu'une vidéo, c'est pas pareil comme le vivre, là. Puis je commençais vraiment à être dans mes vacances après une semaine aux îles. Fait que si vous venez aux îles, prenez au moins une semaine et demie, parce que c'est là que tu commences à être vraiment dans les vacances, hein, mon bébé. Puis on a vraiment aimé ça. Puis c'est ça. Donc j'espère que vous allez venir aux îles de la Madeleine. C'est super le fun. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. Écrivez-moi des commentaires, j'aime toujours ça, vous répondre et vous lire. Et on se revoit dans une prochaine vidéo, tout le monde. Bye bye!